Allez, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau compte-rendu de Vice-Grenier. Ça y est, la saison a redémarré, on est en plein avril. Sans vous dire que le mois de mai va être chaud bouillant. Déménagement et changement de situation oblige. Pour moi, c'est tout un nouveau, toute une nouvelle situation géographique à découvrir. C'est un nouveau grenier hein, à explorer. Et on commence sans tarder avec toutes mes trouvailles de ces trois derniers week-ends. Alors, autant dire que ça a été fast et j'ai trouvé énormément de choses. Alors, on commence avec, en film, j'ai pu trouver pour 1€... pièce. Le Retour des Morts Vivants de Dan O'Bannon, DVD, ça j'en suis plus que content, je trouve ça vraiment énorme. The Stuff de Larry Cohen, Le Way of the Gun de Christopher McQuarrie, un petit classique à voir absolument si vous ne l'avez jamais vu. Ensuite, Detective D numéro 2 hein, chez Whiteside, alors autant vous dire que ça a un bal du bonheur. J'ai pu trouver Ça tourne à Manhattan de Tom DiCillo, film que j'ai vu il y a tellement longtemps, je veux dire, c'était il y a plus de 15 ans. Même 20 ans, j'ai envie de dire. Mad Max Fury Road, à 1€, je trouve que voilà, ça valait quand même le coup de tomber là-dessus. Surtout que le mec était pas trop emballé par le film et qu'il était content de s'en débarrasser. Comme quoi, il y en a. Et puis, ce film de Konishikawa, Feu dans la plaine, qui est plutôt une rareté, hein. Donc là, je suis extrêmement content d'être tombé là-dessus. Et ça, attention, gros film, à mon avis, bon, je l'ai pas vu, hein, mais ce que j'ai pu en lire ou en entendre m'indique qu'il s'agit clairement d'un grand choc cinématographique en perspective. Donc très content d'avoir rentré cela. Dans ce même vide-grenier, j'ai pu trouver beaucoup de disques. Alors, les disques, ils sont là. Voilà tous les disques que j'ai pu trouver à ce moment-là dans ce vide-grenier pour 50 centimes pièce. Donc, Charles Munch qui revisite Bizet. Il y avait du Chopin avec le London Symphonic Orchestra. Du Chopin encore avec Christian Zimmermann et dirigé encore une fois par Charles Munch. Et pour 50 centimes, ce coffret, les grandes musiques de films d'Ennio Morricone. Donc là, autant vous dire que pour 50 centimes, même si j'ai déjà les bandes originales d'Ennio Morricone à droite et à gauche, je ne pouvais pas passer à côté de ce coffret qui est d'ailleurs en super bêta, très très bien conservé. Les disques sont magnifiques, il n'y a pas de traces de moisissure à l'intérieur. Donc voilà, vraiment ça, ça c'est cool. Bon, même si... Et on retrouve quand même quelques petits thèmes de films, comme La Cité de la Violence, L'Adieu à Cheyenne, Le Carnaval des Truands, Le Serpent, que j'ai pas réussi à trouver ailleurs dans d'autres compilations. Donc je suis très content d'avoir ce coffret. Ensuite, alors, pour 1€ toujours, Chimé, la bande originale du film. Film que je n'ai pas vu, hein, que j'aimerais beaucoup voir. Alors ça, incroyable. Une compilation de musique de Georges Delerue, incroyable compositeur, hein, qui a fait notamment la musique Mépris de Godard, qui est un des thèmes, le thème de Camille est un thème extraordinaire. Donc voilà, Milady, Va voir maman, Papa travaille, et Le jeu du solitaire, qui sont trois films que je n'ai pas vus, dont deux films de François Le Terrier. Et B, par curiosité, j'aimerais bien trouver et les voir ces films. Surtout qu'il y a Jean-Claude Carrière qui joue dans Le jeu du solitaire. Donc, why not? Voilà, donc autant dire, j'ai pas écouté, je sais pas ce que ça donne, mais à mon avis, Georges Delerue, quoi. C'est un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disques pour 6€. Visage. Alors, les disques sont vraiment pas en état... ça a été négocié parce que les disques sont absolument dégueulasses, comme vous pouvez le voir. Non, mais je veux dire, voilà, quoi. J'ai même pas encore essayé de les écouter, on va regarder après, mais... Visage, donc, apparemment, groupe d'origine anglo-saxonne, hein, que mixé à Londres. Alors, je vais certainement refaire ma culture musicale là-dessus, je ne connais pas du tout Visage, ni de nom, ni de rien du tout. Par contre, Barry Adamson. Voilà, il y a un featuring de Barry Adamson à la basse. Évidemment, Barry Adamson, je peux pas passer à côté, j'adore. J'adore Barry Adamson, Most Side Story et As Above So Below, c'est deux de mes albums préférés. Ah bon, bref, j'ai très hâte d'écouter Visage et voir ce que ça donne. Petit album, Michel Delpech. Album éponyme de Michel Delpech. Donc, album qui date quand même de 1975. Ça fait partie des Earlys de Michel Delpech. Et voilà, je suis content de rentrer ça. Même si le disque est dans un état lamentable. Non, le disque ça va, mais enfin la pochette est dans un état lamentable. Ça me fera faire quelques petites activités pratiques pour les remettre en état. Ensuite, De Vangelis, To The Unknown Man, et See You Later, très content de les rentrer, je tombe pas dessus souvent, donc ça. Ensuite, Carl Perkins, Rock'n'Roll,
Voilà, qui nous a quitté d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, Rock'n'Roll Story, volume 1, Original Hits, il y a du Chuck Berry, du Muddy Waters, il y a du Jimi Hendrix, du Ike et Tina Turner, du Little Richards, du Guess Who, enfin bon, la classe. Voilà, très content d'avoir ça aussi. Et puis, Swinging Stars, Grotto Brûlé, je ne sais pas comment dire. Oui, c'est ça, yo, Swinging Stars, mais Swinging Stars à sa mort. This is the 21st anniversary of the Swinging Stars Orchestra, véritable institution in the core life Dominica. La chanson de République Dominicaine. Le disque est en bon état, donc ça c'est cool. Quelle est la curiosité? À quoi ça ressemble? Voilà, ensuite, le week-end dernier, j'ai eu l'occasion de faire un autre vide-grenier, plutôt cool, elle est de très bonne heure. Ça m'a permis de choper quelques préciosités. Alors, tout d'abord, en DVD, pour 50 centimes pièce, tous ces films de Woody Allen. Donc là, il y en a 4,50€. Là, c'est cool. Donc, il y a du récent, il y a du beaucoup moins récent. Il y a des films que j'avais déjà, hein, comme Le Manhattan ou Prends l'oseille et tire-toi. Mais voilà, les avoir dans cette collection qui est la collection Figaro, ouais, bref. En tout cas, ils sont numérotés, c'est cool, ça me donne moi... Alors, très mal numérotés, puisque il n'y a aucun ordre chronologique ou thématique, hein. Ils sont numérotés suivant l'ordre de parution, j'imagine, hein, dans la presse. Donc c'est poucrave, mais au moins, voilà, bon, il y a le nom Woody Allen, hein, super. Mais c'est surtout que ça permet d'avoir une cohérence esthétique, j'allais dire, au niveau format DVD, même si je m'en branle. Et puis, un petit peu plus loin, pour 1€, je tombe sur Lily la Tigresse. Donc voilà, c'était vraiment le vide-grenier à thème Woody Allen. Donc c'est cool parce que je rentre tous ces films de Woody Allen, autant dire que pour parfaire ma petite collection de DVD, c'était nickel pour pas cher quoi. Ensuite pour 80 centimes, ce livre, Prisonnier du Soleil, Aventure dans l'espace, qui est un livre qui date de quelle époque? Quand date-t-il? 1966, petit livre, petit format, série rouge pour les jeunes, collection L'Étoile d'Or, illustré s'il vous plaît, comme vous pouvez le voir, avec très très belles illustrations, parfois sur des doubles pages. Voilà, hein, ça baigne dans son jus, hein. Ah super, le futur quoi. Le turf quoi. Donc voilà, hop. Et puis dans un état de conservation assez génial quoi. Donc et puis petit précis de SF entre guillemets, la SF comme on en faisait dans les années 60, hein, donc hyper cool. Voilà, Dig, Ken et Jim, jeunes explorateurs de l'espace, découvrent une étrange cargaison dans un astronef naufragé. Une cargaison d'êtres vivants semblable à de petits hommes réduits en esclavage par un trafiquant sans scrupules. Nos amis parviendront-ils à le capturer ou resteront-ils prisonniers du soleil? Ça c'est cool, voilà, ça m'a fait kiffer. 50 centimes, Gran Turismo 5 sur PS3, ouais, carrément, 50 centimes quoi, donc ouais. Et puis, bon, il y en a certains qui diront que t'as ouvert plus. Et puis 50 centimes, Shakira, MTV Unplugged, ma chérie était super contente. Surtout que là, le concert Unplugged est mixé en bon 5.1 là, donc c'est cool, voilà. Et puis les petites trouvailles vinyles évidemment du week-end. Alors à un prix un petit peu excessif, 3€, Sid Vicious, donc l'album de Sid Vicious où il y a I Wanna Be Your Dog, etc. Take a Chance, My Way, version Sid Vicious, et oui. Donc le disque est en très bon état, voilà. La pochette un peu moins, mais bon. Ensuite, pour 3€ encore, Dan Hartman, Instant Replay. Là, je sais pas du tout de quoi il s'agit musicalement. Je pense qu'on va écouter ça tout de suite. Dan Hartman, voilà. Il n'y a pas de nom de featuring qui pour moi me parle ou sorte du lot. Donc cool, bah je vais écouter Tom Moulton Mix, ok. Je vais écouter ça, avec plaisir. Ensuite, pour 1€, parce que la pochette était chez la même personne, hein. Il vendait 3€ donc. 1€, négocie 1€ parce que la pochette est déchirée, mais le disque est en très très bon état, il est déjà dans la platine, pour tout vous dire. L'album de Slade, c'est dur à prononcer, hein. Le groupe s'appelle Slade et l'album s'appelle Slade. Vous voyez la différence? Slade, voilà. 1972, et là c'est du bon rock, du Brit rock, hein, comme disait mon pote Guillaume. Et ben ça défonce, c'est entre les premiers Meat Loaf et presque on pourra entendre quelques accents. Type Rocky Horror Picture Show, enfin bon, ça défonce, c'est hyper rock'n'roll, c'est mortel, écoutez ça. I won't sing, I won't shout, if you throw
c'est mortel. Voilà. Ensuite, pour 50 centimes, le Vancouver de Véronique Sanson sans pochette. Liverpool alcool. Ah oui, je les connais bien. Voilà, je trouvais ça sympa. 50 centimes toujours. Chercher le garçon de Taxi Girl, dont on pourra, à l'écoute, rendre compte à quel point ça a pu influencer un groupe comme Sexy Sushi. Eux-mêmes d'ailleurs très influencés par B-52s, hein, quand on écoute. Et puis ce Wine and Spirits de Cosmoteca, qui est une petite compilation de chez Highway, une petite compilation autour du vin et des spiritueux, avec des grands classiques, Billy Williams, Harry Champions, Eugene Stratton, Al Sealey. Ça sent le bon gros blues, voilà, le bon gros blues du Bayou. 2€ donc pour cette compilation autour des vins et des spiritueux. Enfin, 3€, la pochette, il y a un nom ici, là, que j'arrive à enlever sans trop abîmer la pochette, qui est déjà dans un état pas top, comme on peut le voir. Chez Blue Note, Something Else, de Cannonball Adderley, avec, s'il vous plaît, à la trompette, Miles Davis, Sam Jones à la basse, Hank Jones au piano. Enfin, là, franchement, ça, là, ça, c'est de la perle. Ça, c'est... Ça, le disque, il est en très très bon état. C'est super cool. Quoi. Mais ça, mais c'est super cool. Bon, 3€. Hein. La meuf savait pas du tout ce qu'elle vendait, mais elle voulait pas négocier, quoi. Donc 3€, j'y allais, ok, go. Pour 1€, ensuite, pour 1€, j'ai eu ces disques. Alors, Devil's Gun, de CG & Co. Encore une fois, dans des étapes pas top, hein. CG Guns, 2€, il est un petit peu rayé, il y a des taches un petit peu sales. Alors je l'ai écouté, il passe très bien. Voilà, donc comme quoi, hein, il faut pas se fier. Eux, ils disent The Best Disco Sound. C'est pas faux, c'est vrai qu'il y a des accents un peu disco funk. Donc voilà, ça c'est cool. Ensuite, alors celui-ci, elle me l'a donné, Donna Summer, The Wanderer. Pourquoi ? Parce que, en fait, le disque, à mon avis, est inécoutable en l'état. Il est dégueulasse. Dégueulasse. Il y a des rayures. Dégueulasse. Enfin, même que le disque est... Ah ouais, là. Oh là là là. La première piste, là, The Wanderer. Merde, c'est con, c'est le morceau titre. Je crois que ça va être difficile. Donc voilà, elle m'a dit, bah celui-ci, vous savez quoi, je vous le donne. Ok, bah je prends. On va voir si on peut le réanimer. The Wanderer, bien sûr, produit par notre ami Giorgio Moroder, hein, qui était absolument, bon déjà, de tous les Donna Summer, évidemment, mais qui était surtout de 70% des albums un peu disco, funk, des années 70-80. Et puis, Imagination. Just an illusion, j'ai pas fait pas là-bas, just an illusion, ah. Voilà, je trouve ça sympa de l'avoir aussi, donc en plutôt bon état, hein, en gatefold, ça c'est cool. Est-ce que c'est Farkian, est-ce que c'est David Farkian qui a produit? Non, non, bon. Mais c'est cool quand même, voilà. Just an Illusion de Imagination. Voilà, c'est tout pour ce compte-rendu de vide-grenier. Je me dépêche car en fait, je dois faire mes cartons. En effet, je redéménage, mais cette fois-ci, dans une maison à moi qu'on a acheté. Un déménagement définitif en soi. Donc, c'est parti pour faire les cartons. C'est aussi parti pour une longue pause, en espérant que toutes les vidéos que j'ai pu enregistrer à l'instant permettent de tenir jusqu'à ce que je me réinstalle dans ma nouvelle maison. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Évidemment, David Grenier, allez-y, banco, faites-vous. J'espère que vous avez bien économisé vos sous depuis l'année dernière et que vous avez gardé quelques petits billets de vin pour pouvoir faire un petit budget vide-grenier. Je vous dis à très bientôt bien sûr pour un nouveau compte-rendu de vide-grenier. Là, il y a du gros qui s'annonce, hein, pour le prochain week-end. Et puis après, il y a évidemment les week-ends. Enfin, il y a évidemment le 1er mai, le 8 mai et au mois de mai, il y a évidemment tous les gros vide-greniers. Ça va continuer. Ah, oui, ça va continuer jusqu'en septembre. Ça, c'est cool. Plein de bonnes choses, plein de bons films surtout. À très bientôt et restez cool.